Qu'est-ce qui se passe? Il s'est blessé hier avec les étalons pendant le match amical. Oh, j'ai suivi ça à la RTB. Mais je ne pensais pas que c'était aussi grave. Mais dans tout ça, moi j'en veux à la Fédération Nationale de Football. Ah bon? Oui. Ils l'ont abandonné tout seul, comme ça. Hein? Oh. Mon cher ami, vous savez, ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est leur avantage seulement. Ils s'en foutent du football. Ils s'en foutent des footballeurs. Voilà. Et depuis quelques mois, Kader joue à Malaga dans le championnat espagnol. Oui, mais je sais. Il est convoqué pour un match de l'équipe nationale. Il se blesse et on le laisse comme ça. Personne n'est venu s'enquérir de ses nouvelles. Aïe. Oh, même pas un coup de fil. C'est pas sérieux. Ce n'est vraiment pas sérieux. Hein? Courage. Bon. Courage. Écoute, ça va aller. Je vais les suivre. Voilà. Je vous laisse. Ça va aller. Tu vas doucement. Hein? Oui, entrez. Vous m'avez appelé? Oui. Voilà. Je vous présente mademoiselle Triandé. Elle est dans nos murs dans le cadre de recherche pour son mémoire, dont le sujet porte sur le fonctionnement de la DGAF. Je vous la confie durant son séjour ici. Veuillez l'installer dans votre bureau et qu'elle ait accès à tous les documents dont elle a besoin. Entendu, DG. D'accord. Merci beaucoup pour la confiance. Vous pouvez me faire entièrement confiance. D'accord. Ouais, vous ne serez pas déçu pour cette noble mission que vous me confiez. Je dirais même que je suis la personne la mieux indiquée. Bon, mademoiselle Triandé. Oui. N'hésitez pas à passer me voir en cas de besoin. D'accord. D'accord. Oui. Je vous souhaite une bonne journée et bon séjour parmi nous. À vous pareil. Au revoir. Hop. Bon, voilà. Et mademoiselle Triandé est une stagiaire en management et marketing et elle va rester dans mon bureau. Mademoiselle, madame et mademoiselle Fofana.
Enchantée, madame. Enchantée. Enchantée, mademoiselle. Enchantée. Autre détail, veillez à lui faciliter le travail. Et moi, personnellement, en tant que maître de stage, je vais vous communiquer le programme de rencontres que mademoiselle aura à faire ici durant son séjour. C'est clair? Bien, chef. Ok. Je vous en prie. Ok, excusez-moi. Ok. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Oui. Vous voyez, c'est le président du club. Il est très fâché. Et là, il demande à ce qu'on m'évacue d'urgence avant samedi. Mais le problème là, c'est que je n'arrive toujours pas à joindre les boss de la Fédé. Tonton, est-ce que tu allais voir le président? Le président, paraît-il, est en voyage. Le SG aussi. Et les autres membres disent qu'ils ne peuvent rien faire à leur absence. Le président de mon club dit que si c'est comme ça, il ne va plus me libérer pour venir jouer le match avec l'équipe nationale. Tu vois ça? Hein? Oh! Je pense que ça aussi, ce serait mieux. Ouais. Notre football va où comme ça? Hé! Hey, on va tout mettre dans les mains de Dieu. Pense d'abord à ta santé. Wallah, si tout va bien là, tu verras que Dieu ne peut pas te laisser comme ça sans rien. Jamais! Actuellement, là, ils doivent être au bar avec les femmes. Hein? Ces gens-là n'aiment pas le football. Mais comme tout est politique dans ce pays, on les a mis là pour qu'eux aussi ils gagnent quelque chose. Oui? Hey, Jessica n'est pas là. Non, non. Il est allé faire des courses. C'est pas lui que je cherchais. Et c'était pour venir vous souhaiter la bienvenue. Merci. Bienvenue, princesse. Oh. Merci, vous êtes trop galant. Ça, ce n'est rien d'abord. Et permettez-moi de vous nettoyer. Je vous en prie. Voilà. Avec le temps, tu apprendras à me connaître et tu sauras m'apprécier. Et vous travaillez dans quel service de la DEGA? Oh, bon, à la direction générale. En fait, je suis sociologue de formation. Voilà, et comme il n'y a pas du boulot, bah, tout le monde connaît le pays, bon, je suis ici avec le directeur. Je l'aide dans ses activités. Tantôt, je suis conseiller et deux fois, je suis chauffeur. Ok. Voilà. Merci en tout cas. C'est très sympa. Pas de quoi. Et est-ce que je peux avoir votre numéro personnel? On verra ça plus tard, monsieur... Bouba. D'accord, merci monsieur Bouba. À bientôt ma princesse. Je suis là. Je terminais ce dossier. En fait, quel événement ici là? Mais non. C'est un de nos collègues qui est passé me les remettre. Les gens sont très sympas ici. Sympa? Oui. Tu ne les connais pas d'abord. Tu sais, si quelqu'un te donne un truc comme ça là, c'est qu'il attend quelque chose en contrepartie. Comment ça? C'est qui d'ailleurs? Bouba. Tiens! Cette calamité-là. Mon vieux, je ne te dis pas. Tu sais, dans ce service-là, très peu de gens sont sérieux comme moi. C'est pas pour rien que le DG t'a confié à moi. Ah, les gars-là, ici, là, il faut les voir comme ça et les laisser comme ça.
C'est des fourbes, des malhonnêtes, des faux types. Il avait l'air tellement sincère que... Quoi? Lui là, il est tout, sauf sincère. Quoi? Un gars, père de 7 enfants, mais différentes. Tiens. Peut-il être sérieux, lui, ou sincère? Ah ouais. Ah! Ça, ce n'est rien. C'est parce que j'ai pas l'éducation de critiquer. Sinon, moi, j'allais te révéler des trucs ici. Tu allais fuir, Bouve. Oui, entrez. Bonjour, monsieur le DG. Bonjour, monsieur. Bonjour. Asseyez-vous. Oui, vous avez demandé à me voir. Mon neveu est un footballeur en Europe. Oui. La Fédération nationale de football vient de lui faire appel pour la première fois. Il a joué le match de l'équipe nationale la dernière fois et malheureusement s'est blessé. Ah oui. J'ai suivi le match. J'ai vu le choc et puis la sortie du joueur. Dites-moi, c'est très grave? C'est une double fracture. Oh. Et puis le petit, il souffre beaucoup. Oh là là. Bon, ben, enfin, et comme il est encore très jeune, il devrait guérir rapidement. On l'espère. On l'espère. Le problème est que la fédération ne s'est pas présentée depuis qu'il a quitté le stade. Ah bon? Et c'est la famille qui gère les angoisses. Et actuellement, le club dans lequel il joue menace de résilier son contrat. Oh. Ils ont insisté pour qu'il soit évacué rapidement pour être soigné là-bas. Mm-hmm. Et Kader devait être reparti depuis hier. Mais voilà. Voilà. Même pour le retard, oui, il va devoir payer des pénalités. Ah oui, c'est ça. La dure loi du football professionnel ne s'accommode pas de nos futilités. C'est comme ça. Mais dites-moi, que souhaitez-vous au juste? Il faut que vous mettiez la fédération devant ses responsabilités. Mm-hmm. La prise en charge au moins des soins. Et l'évacuation demandée par le club. Et qu'elle discute avec le club. Très bien. Je vais aller au siège de la fédération pour voir un peu plus clair dans cette affaire. Mm-hmm. Voilà. Laissez vos contacts avec la secrétaire. Elle va vous rappeler. On les appelle, ils ne répondent même pas. Je suis allé chez le président et le SG. Mm-hmm. On me dit chaque fois qu'ils ont voyagé. Je m'en occupe personnellement. Ne vous inquiétez plus. D'accord? D'accord. Allez, bonne journée, monsieur. Mm-hmm. Merci. Au revoir. DG Degas, bienvenue. Monsieur le Président, j'ai vraiment de la chance. Il paraît que vous êtes toujours entre deux avions. Vous savez, j'ai plusieurs casquettes et donc je bouge beaucoup. D'accord. Asseyez-vous. Merci bien. Vous allez boire quelque chose? Non, merci. Alors, puisque vous m'avez fait l'honneur de venir jusqu'à mon bureau, mm-hmm, je dois vous dire la vérité. D'accord. En ce moment, j'ai trop de soucis. Il y a des arriérés de primes à verser. Nos juniors doivent aller jouer en Égypte, mm-hmm, et on doit de l'argent à pas mal de gens. Monsieur le Président, je comprends. Mais le jeune homme blessé est dans une situation critique. Et personne de la fédération n'est allé le voir. Ah, ça, ce n'est pas bien. Ben oui. Mais c'est parce que j'étais absent. Et comme vous connaissez le pays, on met tout sur le dos du président.
Quand tu n'es pas là, rien ne bouge. Mais je vais régler ça. Et puis, son club veut le sanctionner. Il exige que le joueur soit évacué. Là, c'est plus compliqué. Pourquoi? Vous savez, ces Européens, des fois, ils ne savent pas que nous aussi, maintenant, on a des cliniques bien équipées sur place. On va discuter avec eux. Monsieur le Président, si vous ne faites pas quelque chose, ça va devenir de plus en plus difficile de faire venir les pros pour les matchs ici. Oh, il y a un peu d'exagération dans cette histoire. Les anciens dirigeants de la Fédé ne nous facilitent pas du tout la tâche. Et si vous fouillez bien, il y a quelqu'un en bas qui attise le feu. On se connaît, monsieur le DG. On se connaît. D'accord. En tout cas, je suis ravi de savoir que dans les heures à venir, vous allez essayer de prendre contact avec l'intéressé pour lui faire savoir ce que vous comptez faire. Vous savez quoi? Ses parents sont carrément perdus. Ne vous en faites pas. On va régler ça. Très bien. Au revoir, DG de Gaffe. Bonne journée, monsieur. Bouba, bouba. Ouais, mon dieu. On dit quoi? Ouais, tiens, c'est bon. Ouais, ça se voit, hein. C'est le 15 du mois. Ouais, mon dieu. Hein? Tu me disais que moi, j'ai mes feuilles pour manger. Aïe, hey. La petite, là aussi, devient de plus en plus belle, hein. Hé, hey, regarde bien. C'est le petit licenciement, là, qui a fait que tu ne peux plus ouvrir ou pas. Voilà, Bouba. Oui. Dis-moi, depuis quand tu apportes des fleurs aux femmes? C'est pas ma faute si je suis romantique. Hein, romantique? Oui. Oh. Ah, donc tu veux me dire comme ça que tu es amoureux? Amoureux de qui? Ah. Hein? Mais qu'est-ce que tu faisais à la cuisine? Oui, c'est un secret cuisinistique. D'accord. Ah, dis-moi, amoureux de qui encore? Non, je parlais de la stagiaire. Là. Hein? Figure-toi que Bouba l'a apporté un bouquet de fleurs comme ça. Oh, Bouba le rapide. Ah oui. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Donc il t'a devancé. Devancé qui? Toi? Moi? Je ne m'intéresse même pas à elle. Tout le monde voit comment tu baves derrière la gauche. Quoi, moi? Mon type, à la dégaffe là, tout le monde sait que toi tu es KO de la gauche. Ouais. Mmh. Là-bas, ouais. Qui? Hey, tout le monde sait, tu baves derrière la gauche. Oh, c'est faux ça. Je te dis qu'à la dégaffe là, tout le monde sait que toi tu es trop KO de la gauche. Oh, 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 écoutez les gars, vous ne comprenez pas. Je dis, moi je ne m'intéresse pas à elle pour une simple raison que personne de vous ne peut comprendre. Mais quoi, s'il te plaît? Un canal arc-en-ciel. Ah d'accord, devinez. Non, non, en fait... Non, non devinez. C'est une manière de parler, toi aussi. Ça veut dire quoi ça? Oui, il faut dire, moi ça m'intéresse. Au fait, la fille là, c'est la maîtresse du DG. Hein? Quoi? Je ne vous ai rien dit, vous n'avez rien entendu. Voilà, je veux que ça reste ici. Aïe, l'entira. Hey, si c'est moi là. Considère que ce secret-là reste ici. Personne ne va connaître ça. Mais Bouba... Attends. Mais n'oublie pas qu'il va faire concurrence avec son patron. Alors... Voilà, c'est vrai, Bouba, toi-même, je ne te fais pas confiance. Pourquoi? Tu n'as pas dit que dès que tu vois une femme comme ça, là, tu perds la raison et puis tu mélanges les choses là. Il y a... Je veux que tu la regardes comme ça et tu la laisses comme ça. Tu es là aussi... Mon type, il a du goût, hein? Et voilà, voilà, voilà. Ah, on oui, est en train. Hey, oui, mais quoi? Tu es irrigué, quoi? Bon, faut la voir. Faut la voir, ça veut dire quoi? Ni viens, pas ça. Quand on te parle, faut écouter. C'est un truc qui doit rester ici. C'est quoi? Nous, quand on parle, toi, tu. Moi, je ne vous ai rien dit. Je brouille comme ça, là, c'est pourquoi? Qui vous êtes en train de massacrer, là? Ça ne peut pas nous rappeler. Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux là-bas? Des bouchers. Ah, voilà. Ah bon, c'est comme ça. La dire. Ah, ok. Ah, non, non, Dieu. Là. Ils étaient deux là-bas. Quand ça va pourrir là. Ah, ça va se sentir. Ouais, ouais, fini de manger ton os et puis tu nous fous la paix.
C'est vous, monsieur Kader, le joueur de l'équipe nationale. En effet. Sinon, nous, on était fans. Ah, ouais, ah ouais. Oui, surtout quand tu prends le ballon. Mm-hmm. Ah, tiens. Mm-hmm. Sinon, que nous sommes de la DEGAF. Et nous avons eu vent de votre problème. Mm-hmm. Nous sommes là-dessus. Et d'ici là, vous verrez que ça va se régler. Mm-hmm. En tout cas, le président de la fédération est passé ce matin. Mm-hmm. Ah ouais. Ça va aller. Ah, il ne faut pas les laisser. Il faut les chauffer. Ouais, ouais. Même nous, on a failli écrire dans la presse pour les dénoncer. Ah ouais. Ah comment? Non, mais la fédération n'est pas bête. Si elle s'amuse, là. Nous allons mettre le feu dans ce pays-là. En tout cas. Quoi? Mais on prévoit vous évacuer, non? Bon, ils ont promis en tout cas. Ah bon? Au fait, on était venu pour deux problèmes. Il faut parler. Voilà. Bon. Et vous connaissez le Lilgo? Non. C'est quoi ça? Bon, le Lilgo est un wap très puissant qui vous rend invisible. Ouais, totalement. Et comme vous êtes un footballeur comme ça, là, si vous l'avez, les défenses de l'équipe adverse là, ne vous verront pas venir. Et maintenant, les buts, là, vous les classez comme ça, comme des jeux. Au hasard. Ouais. Bon, quand je serai guéri, mm-hmm. on en reparlera. Ok. Et le second problème? Oui, ça aussi, c'est encore une affaire de football. Oui, oui. Ouais. C'est-à-dire que j'ai mon neveu, mm-hmm. Un petit qui joue très bien le football. En tout. Yeah. Ouais. Ah, il est... Dans le quartier, là, tout le monde l'appelle Messi. Mm-hmm. Mais le problème, c'est quoi? Dans ce pays-là, si tu n'as personne pour t'aider, là, mm-hmm. tu n'iras nulle part. Ouais. Hein? Donc, je me suis dit que quand vous êtes un footballeur professionnel, là, vous pouvez l'aider à aller jouer, par exemple, en France, comme ça. Mais il joue dans quel club? Non, il ne joue pas dans un club. Au quartier, là. Dans les 6 mètres, quand il prend le ballon. Ouh. Ah, comment? Ouais. Yeah. Mais c'est comme si c'est lui qui a créé un Amarachim. Ouais. 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 Les ciseaux, là. C'est un il petit. Est bon, hein? C'est un petit. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Mm. Moi-même, comme ça, là. Je ne peux pas faire partie de la joueur. Mais je vais vous donner le numéro d'un agent. Mmh. Faites venir mon oncle. Mmh. Oh, sinon que le Lilou dont je vous parle là, mmh. un wak, un vrai wak. Mais si vous l'avez, c'est vous-même qui allez venir me dire. Les défenses ne vous verront pas. Et vous allez me faire mal. Les buts, les buts, les buts. J'ai ça ici. Vous voyez, avec ça là, les défenseurs de l'équipe adverse là ne vous verront pas venir. Non, c'est bon. Hein? On va garder le contact. Prochainement. On se voit prochainement. Ok. Tonton, regarde à mon agenda et donne la carte de mon agent. C'est moi, tonton et moi, on se connaît très bien. Oui, oui, oui. Je l'ai déjà aidé même à gérer des soucis. C'est bien ça. Mm-hmm.